Salut la compagnie, c'est Marliva et Noran. Et oui, le Noran est de retour. On s'ouvre donc la suite de nos coffrets VMAX alternatifs avec donc Acoly pour finir. C'est mon chouchou, donc on va voir ce qu'il donne. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà, vous verrez pas le déballage parce que Nora n'étant pas masquée et on s'en est aperçu après, bah écoutez, on a préféré couper la vidéo et recommencer. De toute façon, le principal c'est de voir ce qu'il y a dedans. Allez, d'abord notre Aqualivé. Déjà, j'adore l'illustration, moi c'est vraiment quelque chose, je la trouve juste magnifique cette illustration avec les jeux d'eau. Et puis alors la VMAX, encore plus. Déjà le côté bleu est très beau et brillant en général, mais alors là, superbe, avec du Mélobélus. En fait, si on regarde bien, il y a un petit... on le verra mieux en fait. Il y a deux Mélobélus, voilà. Là et là. En fait, on le voit mieux ici. Voilà, regarde, il y a des barcos, il y a des mantas, il y a de la froussardine, il y a un petit hippotrempe là qui est trop mignon. Et je sais plus de quoi, je vous dis n'importe quoi, de toute façon je sais que c'est pas ça, donc ouais, je vous le remets, c'est pas plus mal, en tout cas ouais, trop belle, puis avec les côtes sauvages qu'on voit dans Eevee Hero, c'est trop beau. Donc je disais tout à l'heure que moi je veux 3 boosters parce que j'ai laissé le choix à Noran. C'est 3 boosters pour celui-ci qui n'ouvre pas Voltage Éclatant parce qu'on adore cette série. Et l'autre a celui-ci qui ouvre Voltage à 2. Et comme Noran a voulu les garder, ben voilà. N'oublions pas le superbe petit pins. J'adore. Pareil, trop beau aussi. Ils sont plutôt lourds. Attention, tout plein. Ma VMAX, j'y tiens beaucoup. Et on se retrouve donc pour moi avec du Clash des Rebelles. Et espérons qu'on aurait autant de chance que le premier coffret et pas le deuxième. Parce que le Voltali n'a pas été chanceux du tout. Allez, 1, 2, 3, 4. Hop, je fais une dent en vert. Allez, énergie électrique. Morpeko. Car un saut de je sais pas quoi, énergie horaire, ils appellent ça. Moi j'appelle ça énergie frayeur, mais bon. Archéomyr, Toxiza, pardon. Un vert pomme qui est dans son verger. Darumaron. Un sapero, pâte à modeler. Un rongourmand, c'est l'autre. Et derrière. Rien de faramineux avec un hexagide, si je ne me trompe pas. Bon, allez. On sait jamais, on peut se retrouver avec une autre évolution. Les Fumets, eux, ils ont eu une petite givralivée que j'adore. J'adore givralivée dans cette série. Je le trouve trop beau. Ah, déjà, je vous ai spoilé avec le code. On peut avoir quelque chose. C'est au moins normalement une holographique si le code ne bug pas, parce qu'il y a aussi des bugs dans l'autre sens. Allez. Électrique. J'espère encore mieux qu'une holographique ou alors une... Ah bah j'espère la full art alternative, hein. Ah oui. Allez, ce serait tellement beau. On serait fou, mais... Bakiguan et... On a l'évolution et le reste. Celui-là, chauve-sourire. Un tritonde. Alors, je suis psycho-couac. Encore de l'eau avec du barpo. C'est très haut, et attention. Oui. Oh non, oui. C'est... Même pas. Et comme quoi, les codes, ça déconne. Parce que pourtant, j'ai bien un code blanc. Voilà, pour vous faire voir. C'était un code blanc. Donc, techniquement, ça aurait dû être quelque chose. Mais enfin, rien du tout. À première vue, on dirait plus un code vert avec un contour noir. Mais c'est un code blanc. Alors, désolé, parce que nous, les codes, c'est pas qu'on veut pas vous les donner à proprement dit. On le ferait si on faisait pas, nous aussi, le TCGO. Alors... Je mélange 4 et j'espère que cette fois-ci j'aurai quelque chose. Sinon, en tout cas, Noran, on comptera sur toi. Allez, énergie, oh, ça va avec le coffret. Ton dernier booster. Bah oui, il n'y a que 3 boosters pour moi. Ça va vite, Shona. Le singe, je sais plus quoi.
Hop. Ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de type O parce que c'est un type plouf. O. Bah oui, en chouette. Zorua. Ah, un brut à librer. Et derrière, s'il te plaît, quelque chose, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh non. Un as du marise. Bon, bah. Ça sent le coffret pas terrible comme mon. Pas terrible. Si j'ai un. Tu me sors la foulard, s'il te plaît. Allez. Là, on va le tout tomber. Oui, pourquoi pas, mais même. Non, bon, tu me dis en nitrate. Alors, énergie ténèbres. Skatepark. Mort et chrome. Colorier. Big Fish. En choix. Un point barbare et doucement. Des max. Oh, mais génial! Je l'ai pas! Et en plus, c'est la spéciale du deck. Oh, ça, c'est une bonne pioche. Très belle pioche. Oh, je suis super contente. Je vous la refais voir là. Wow, super! La VMAX Ectoplasma, ça c'est une très belle pioche. Bah, tu vois, toi t'as eu de la chance. Heureusement que t'es là pour sauver l'ouverture parce que là, maman. Rien que ça, ça sauve l'ouverture, je pense. Ça sauve, ouais. Alors après, ce qui sauve tout simplement, c'est bien sûr nos petites alternatives qui sont là et qui sont très très belles. Bon, on a droit au reflet. Et Pikachu, on veut le rainbow. Allez. Ouais. Là, on est content grave. Parce que c'est vraiment. Il faut savoir que dans le japonais, moi, comme je vous disais, je fais du. Vous savez que moi, je fais du japonais. Et dans le japonais, cette VMAX, elle était que dans des decks que je n'ai pas fait. Donc voilà. Allez, un booster haut pour finir. Attention, on est reparti. Énergie haut. Je sais plus. Mégavolt. R&L. R&L, ça c'est pour les fumées. Je sais plus. La, le truc de la vie. Chauve-sourire. Non, je crois que j'en avais sauté. Ne tord pas ton. Voilà, s'il te plaît. Je t'ai dit. Un choix. Oui. Pourquoi j'ai dit un choix alors que c'est un choix? Oui, mais c'est pas vrai. C'est pareil. Miam miasme. Une chemure, une chevroom et derrière doucement. Ah non, c'est une simple holo, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Électrode, holo. Voilà. Holo. Bon bah, je vais te dire. Tu me dis quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié holo. Bah, faut lui faire dire. Mais... Allez. Ouais, c'est une belle ouverture quand même. On est content là. Là, la ectoplasma, elle nous rattrape tout. Elle nous rattrape tout. Doucement avec la VMAX, parce que alors là, c'est vraiment ma chouchoute. Et voilà. Donc, les amis, ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas s'il y aura. Elle ne sera pas tout qu'on fait lundi. Parce que tout simplement, on avait une grosse réception de display qui arrivait. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous verrez sûrement les displays F9 qui arriveront. À mon avis, peut-être samedi, et à ce moment-là, on vous les verrez dès lundi. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, et portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.